Khalil, 14 ans, participe depuis un an aux activités basket organisées gratuitement par la SBL Sport to Be. Cet après-midi, il vient se réinscrire pour la prochaine saison. J'ai découvert Sport to Be à l'école. C'était pendant une journée et ils nous ont passé une publicité à la télé en disant qu'il y avait une animation qui fait jouer les enfants gratuitement pour s'entraîner. Sport to Be propose des sports comme le football, le street soccer, le basket, la danse, du tennis ou du kickboxing gratuitement pour les 6-21 ans. L'année dernière, 850 jeunes bruxellois y ont participé, des jeunes qui n'ont souvent ni les moyens ni l'opportunité de pratiquer un sport. On est présent à Anderlecht, à Kuckelberg, à Bruxelles-Ville, à Molenbeek. Et en fait, dans tous ces quartiers, il y a souvent des infrastructures qui existent déjà, comme un terrain de basket, un agora de football. Et en fait, on va aller animer ces endroits-là. Donc, on va arriver avec un coach, qui encadre, qui coach les jeunes, mais aussi qui, on va dire, qui les éduque. Sport to Be est lié à Job to Be, un programme d'insertion professionnelle pour les jeunes à partir de 16 ans. Chez Job to Be, on va venir sur le terrain parler aux jeunes, justement les groupes des plus grands, pour leur expliquer que Sport to Be, comme je le disais juste avant, c'est pas juste le sport, mais c'est aussi Job to Be, et de leur proposer de participer, de s'inscrire au programme qui a lieu de septembre à juin aussi, avec évidemment un suivi continu après ça. Pour 2022-2023, les objectifs sont ambitieux, passer le cap des 1000 inscrits sur les terrains de sport à Bruxelles, et pour Job to Be, ce sont 80 jeunes entre 16 et 25 ans qui pourraient être accompagnés jusqu'à leur première expérience professionnelle.